que tout va bien, on épargne, on emprunte, on place, on gère. On croit que nos comptes tournent bien rond. À force de vouloir avancer sans vouloir prendre une banque qui nous conseille, on ne voit pas qu'on se dirige vers nulle part. IPA, la banque conseil. Les pâtes épatantes. Ce qu'il trouve délicieux dans Yaou, c'est que Maminova a parfumé le lait entier avec des arômes de fruits. Ce que vous trouvez délicieux, c'est de le regarder grandir. Maminova, elle a été mère comme vous. Red Air. New York. Twix. Tokyo. Partout c'est Twix. London. My tailor is Twix. Paris. Il change de nom mais reste aussi bon. Berlin. Madrid. Et maintenant partout Red Air s'appelle Twix. Naturel, je le suis à 100%. Excellence. Plus sain. Comme par la magie de l'illusionniste Sylvain, le Brussels Air Museum au Palais du Cinquantenaire se remplira de meubles anciens, de tableaux, de 1000 objets merveilleux pendant la 11e foire d'antiquités et de brocantes du samedi 12 octobre au dimanche 20 octobre. Venez y faire la bonne affaire. Le premier grand contrat du 21e siècle. L'univers du cuir s'engage par contrat à vous acheter votre salon en 2001 au prix auquel il vous le vend aujourd'hui. Ne ratez pas cette grande première. Passez sans tarder à l'univers du cuir et soyez à la fois satisfait et remboursé. Pour en savoir plus, appelez le 02 219 57 37. L'univers du cuir. Le mythe éternel de Orphée et Eurydice, transposé par Marcel Camus dans l'atmosphère du Carnaval de Rio. Un film que le réalisateur a eu beaucoup de mal à mener à bien, qui remporta néanmoins une Palme d'Or au Festival de Cannes et décrocha un Oscar à Hollywood. Orfeu Negro, avec la touchante Marpessa Down, samedi à 13h45. Un groupe de saboteurs venus de Londres a pour mission d'anéantir l'usine allemande qui, en Norvège, produit l'eau lourde nécessaire à la fabrication de la bombe atomique. L'épopée authentique d'une poignée de héros qui ont permis une issue favorable à la guerre. Un film remarquable. La bataille de l'eau lourde, dimanche à 13h20. J'ai la faiblesse de croire que nous sommes des types propres. Et en mon âme et conscience... Nous ne sommes pas encore au pitoyen. Les membres d'un réseau de résistance se retrouvent après la guerre. Parmi eux se cache un traître qui, à l'époque, a provoqué l'assassinat de leur chef. Un extraordinaire film d'acteur. Marie-Octobre, lundi à 13h35. Sur la Une, tous les après-midi, un film. Le seul mot d'éthique pourrait nous donner envie de retourner aux sources, de remonter le temps jusqu'à des philosophes comme Aristote ou Spinoza. On pourrait aussi tenter de définir l'éthique comme la science de la morale. Mais comme dirait Léo Ferré, ce qu'il y a d'embêtant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. La télévision a-t-elle son rôle à jouer en matière d'éthique? Regardons plutôt Vidéothèque.
Bonsoir. Le thème de Vidéothèque ce soir, c'est l'éthique et la télévision, ou si vous voulez, l'évolution de la morale et à travers la télévision. Nous sommes partis d'une simple...